Mes chers concitoyens, le pays va très mal. La violence est partout. Et c'est le fait des hommes. Trop de testostérone. Voilà d'où vient le mal. J'ai décidé hier de juguler les hommes. Par décret, tous les hommes chez eux sont assignés pour pouvoir circuler, à dater de ce jour, un sauf-conduit valide leur sera exigé. Les mesures annoncées il y a 3 mois par Glenn Bess à l'Assemblée nationale commencent à porter leurs fruits. Des barrages routiers sont mis en place et on constate que la violence recule. Le Conseil des ministres est une... Franchement, ce décret, mais c'est une injustice. Le calme est revenu. C'est un bon décret, là. Et pour les hommes gentils? Mais quel préjudice! Il était temps que ça cesse. Et n'en parlons plus, là. Regarde, Geneviève, cet homme sur la route. Il a l'air illégal, ne nous arrêtons pas. Il a l'air malheureux, ça ne fait aucun doute. Geneviève, je t'en prie, il a l'air d'avoir froid. Si tu veux, d'accord là. Mais je ne le prends pas. Bonjour, n'ayez pas peur. Vous vous êtes fait mal? J'ai pas de papier. Elles vont me retrouver. Vous avez fui la ville, rien que de très normal. Oui, je sais. J'en pouvais plus. Je ne sais où aller. Geneviève, regarde-le. On peut pas le laisser. Il a faim, il a soif. Prenons-le avec nous. Quoi? Prendre un illégal? Pas question de lâcher. Et puis que ferons-nous s'il y a un contrôle? Sur ces petites routes, il n'y a pas de contrôle. Allons chez Amélie. Elle prendra soin de lui. C'est une bonne idée. Elle est très généreuse. Contrôle gendarmerie. Au papier, s'il vous plaît. Chef, chef, regardez, chef! Elle cache un illégal! Thank you.
Bienvenue toutes les deux. Mais qui est celui-là? Ah, mais je ne sais pas. Comment t'appelles-tu? Rufus. Je suis Rufus. Et je suis tout perdu. C'est un illégal, là. Il n'a pas l'air méchant. Peux-tu le cacher, là? Il est terrifié, là. Les filles, mais comment on en est arrivé là ?